Salut à tous, c'est Roméo, merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Franchement, la semaine dernière, il y a eu un petit souci, j'avais préparé une vidéo, je l'ai éditée 6 fois, à chaque fois elle a été strikée, donc tant pis, on la passe. Cette semaine, on va tester de la bouffe, je sais que ça vous avait manqué, parce que hier, je suis allé à Wendy's et j'ai acheté des melons de panne. Ils ont ce qu'on appelle des melons de panne Hong Kong, avec du fromage, de la pâte d'haricots rouges, bref, on va manger ça. Et surtout après, on va aller tester la collection Pikachu à McDonald's. McDonald's au Japon a sorti 3 produits Pikachu. Et vous savez bien, il fallait qu'on teste. Allez, c'est parti avec ce premier test de melon de panne. Il fait super chaud là, on est dimanche matin, je regarde ma montre, j'ai pas de montre. Il fait super chaud, transpire là, marée des fesses, c'est devenu une cascade le truc. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on a acheté, donc voilà. Là, je vous mets la photo ici avec tous les melons de panne. Donc c'est des melons de panne, ils appellent ça Hong Kong melon de panne, parce que ça vient de Hong Kong. Waouh! Non, je rigole, on voit rien. Voilà. Alors, ça c'est le premier. Oh, c'est du fromage. Je crois que c'est de l'emmental et du cheddar, ou je sais pas trop. Pour info, les trois, ça coûtait 800 yens, ça fait 6 euros. Là, il y a du fromage, mais il y a de la pâte d'haricots rouges. Oh, les gros radins. Il n'y a que devant, là où ça se voit, mais derrière, il n'y a rien. Ah, butter. Beurre. C'est du beurre. Par contre, frère, ils t'ont mis une dose de beurre. Le truc, c'est des carrés de chocolat, le beurre. Il est épais comme ça. Pas bon pour le cholestérol, tout ça. Et ben maintenant, on va manger. Hein. On commence avec le test du melon de panne au beurre. Hong Kong melon de panne au beurre. J'ai peur, mais goûtons, on va tous les tester. Bah, il y a beaucoup trop de beurre. Ouais, mais c'est du beurre salé. Le melon de panne est bon. C'est du melon de panne classique, je pense un peu industriel, on va pas se mentir. Et on sent que le beurre. Le melon de panne, déjà, c'est du beurre. Hein. Donc là, vous avez encore du beurre. Un peu écœurant. Mais ça vaut le coup de tester. En gros, c'est comme si vous mettez une brioche au sucre, vous voyez, avec du sucre dessus. Et à l'intérieur, vous mettez du beurre. Pas d'intérêt. Là, ça m'intéresse beaucoup plus. Du fromage. Oh mon dieu, là, ça m'excite. La moitié est tombée par terre. Il y a du beurre, mais il y a une espèce de mental. On dirait du ficello à l'intérieur. Et là, on sent beaucoup moins le côté salé du beurre. J'aime beaucoup. Là encore, vous avez du beurre et de la pâte d'haricots rouges. Oh, j'aime pas du tout. Oh, c'est dégueulasse. J'adore la pâte d'haricots rouges d'habitude, mais là, le beurre salé, la pâte d'haricots rouges, la brioche, ça fait un mélange horrible que je comprends pas. Hormis le melon pan avec le fromage, encore c'est du fromage qui a pas trop de goût, c'est du ficello, c'est un peu du plastique. Je trouve que c'est un peu une déception tout ça. Choqué, déçu. Et après, je vous emmène avec moi en ville à Osaka. On va faire quelques magasins, on va se balader, juste un petit peu d'ambiance. Et à la fin, on terminera avec quelques produits Pokémon à McDonald's. Non mais c'est incroyable, tout est vide. Tout est fermé. Bon bah tant pis hein. Il n'y aura pas de vlog à Osaka cet après-midi. Hein. Bah en fait c'est bizarre parce que c'est fermé aujourd'hui. Alors que hier c'était ouvert, je comprends pas. Mais tout est fermé. C'est dommage parce que c'est le plus beau centre commercial d'Osaka je trouve. Et sur le haut, vous pouvez monter et voir tout Osaka de haut, mais c'est fermé. What? Pourquoi? Je suis dans mon restaurant favori des udon. Ça c'est le menu. Alors c'est un peu plus cher que des udon classiques. Hein. Il y a beaucoup beaucoup de choix. Vous avez des udon hyper originaux que vous ne trouvez pas ailleurs. Moi là par exemple j'ai pris des udon posés sur de la glace pilée avec des tempura. Et voilà. Enfin, ça arrive. C'est vraiment incroyable. Bon là il fait hyper chaud dehors du coup évidemment je vais pas prendre ça. Mais si jamais vous venez en chaud il y a des trucs incroyables. Et, là il y a des udon spéciaux. Là au moins vous ne trouverez pas ça ailleurs. Tout est arrivé, regardez-moi ça. Il y a des rolls de sushi. Là ça c'est au thon. Là il y a mes udon. Je suis trop content, c'est tellement bon. En termes de quantité, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, mais croyez-moi là ça fait quand même pas mal. Là vous avez des tempura. Et là maintenant, c'est des graines de sésame. Il faut les écraser comme ça pour donner plus de goût. Donc là les graines de sésame que j'ai écrasées, concassées, je sais pas comment on dit. Je les ai mis dedans. Après, bon là, il y a du gingembre. J'aime pas le gingembre, du coup, je vais pas en mettre. Tu prends le petit œuf qui est ici, là, hop, et tu le mets dedans. Et tu mixes. Et après, du coup, tu prends tes udon, tu les trempes dedans. Voilà, c'était là, Solo Tonta. C'est le nom du restaurant, Solo Tonta, si je me trompe pas. Et c'est toujours très très bon. J'aime beaucoup. Je crois que c'est une chaîne. Hein. Oui, c'est même quasiment sûr. Voilà, je vous recommande si vous venez ici.
On est dimanche et je sais pas si vous vous rendez compte, mais voir Osaka comme ça, là on est à côté de Dontonbori. C'est l'endroit le plus touristique de toute la ville en fait. Et c'est vide, de chez vide, j'ai jamais vu ça. Ça fend le cœur quand même. Bon, voilà, vous allez être très heureux. Je suis de retour de McDonald's, je crois que c'est le moment que vous attendez le plus. Regardez en plus, c'est trop bien parce que c'est. Il y a des petites pochettes un petit peu old school en ce moment. J'ai acheté les 3 produits Pikachu qui sont en édition limitée en ce moment à McDonald's. Vous avez les Pikachu comme ça. Donc l'apple custard pie qui a l'air trop bon, franchement. C'est chaud pour info. Ensuite, vous avez le McFlurry Pikachu banana chocolat. Enfin, banane chocolat. Il sent vraiment hyper fort. La banane un petit peu chimique, la banane de Haribo. Si vous connaissez les petites bananes jaunes là. Il y a le McShake Pikachu donc, qui est un milkshake à la banane. J'ai hâte de goûter. Je sais pas par quoi. On va commencer par le milkshake. C'est ultra sucré. Vraiment ultra sucré, mais c'est très bon. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a mixé des bananes Haribo. Si vous aimez les bananes Haribo, vous allez kiffer ça. Malheureusement, c'est en édition limitée, donc c'est que temporaire. Donc je suis pas sûr que ces produits reviendront probablement pas. Si jamais vous revenez et que vous voyagez au Japon, ce qui est un peu triste, franchement, il faut le dire. J'aime beaucoup. Je pense que c'est le meilleur milkshake que j'ai goûté chez McDonald's. Mais je me demande si ça n'existait pas déjà en fait avant. Parce que ça ressemble à un milkshake que je connaissais. Donc en fait, je me pose la question, est-ce que c'est pas juste. Ils l'ont mis à l'effigie de Pikachu, mais finalement, ça n'existait pas déjà. En tout cas, je vais mettre un petit 4 sur 5, très bon. On va finir par le McFlurry, parce que c'est quand même, pour les Français en tout cas, c'est un des produits les plus fameux de McDonald's. Il faut savoir que dans d'autres pays où je suis allé, à chaque fois on me dit mais McFlurry ici, c'est pas incroyable. C'est vrai qu'au Japon, les McFlurry sont pas bons en général. Donc voilà. J'ai pas envie de casser ce packaging, il est tellement beau. Du coup, je vais ouvrir par de ce côté-là. Hein. Dieu bénisse celui qui a inventé ça. Je sais pas si vous connaissez l'apple pie de McDonald's. Je crois qu'il est de retour en France en plus là en ce moment, des mini apple pie. Mais c'est hyper commun dans plein de pays. En gros, c'est de la compote de pommes à l'intérieur d'un beignet frit. Et bien là, c'est exactement pareil, sauf qu'en plus de ça, ils ont rajouté de la crème pâtissière. Donc c'est la moitié crème pâtissière, la moitié compote de pommes. C'est incroyable, le mélange est fou. Le côté croustillant du biscuit, honnêtement, ça c'est une réussite 5 sur 5. J'aime beaucoup trop ce packaging, il est trop beau. Avec tous les Pikachu, il y a un Pikachu qui dort, un Pikachu qui saute, un Pikachu qui fait coucou. Chocolat banane, alors, ouais, je vous ai pas dit, il y a un petit problème, c'est que j'aime pas le chocolat. Ne me jugez pas, je sais. Bon, il a un peu fondu sur le chemin du retour, du coup, je l'ai remis au congélateur en arrivant à la maison, mais c'est pas. Il y a plein de bouts de banane, de chocolat à l'intérieur. Mais déjà, les McFlurry au Japon, c'est pas la même chose que les McFlurry en France. C'est pas la même crème, c'est pas le même goût. Ultra chimique. La glace, c'est pas très bonne. Vous avez plein de micro-bouts de chocolat. C'est comme des céréales au chocolat qui sont à l'intérieur. Avec plein de bouts de bonbons à la banane d'Haribo. Encore une fois, c'est le même goût. Là, c'est ultra chimique. Je suis pas un gros fan. Autant le McShake, j'ai pris en small. D'ailleurs, on pouvait prendre en medium ou en small. J'ai pris un petit parce que ça suffit tout ça. Là, moi, déjà, j'en peux plus. Autant celui-là, je trouve incroyable parce qu'il y a vraiment le goût de la banane, mais c'est sucré, c'est doux. Autant là, c'est beaucoup trop. Excusez-moi, mais c'est pas possible en fait, ça. Je vois pas l'intérêt, mais vous savez qu'il y a quelques mois, ils avaient remis Oreo Kit Kat. Et on les a en France. J'aime pas trop le chocolat, mais je voulais du coup tester la différence. Et honnêtement, ça n'a pas du tout le même goût qu'en France. Et c'est même plutôt pas bon. Ça, je vais mettre un 2 sur 5 parce que j'aime pas le chocolat. Donc je pense que quelqu'un qui aime bien le chocolat et la banane, ça devrait faire 3 ou 4. Mais là, honnêtement, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça m'empêche pas de continuer à me l'enfiler. Bref, vraiment déçu. Donc du coup, dans l'ordre, numéro 1, 5 sur 5. Numéro 2, milkshake à la banane, McShake, Pikachu, 4 sur 5. Et celui-là, 2 sur 5. Pika pika. Voilà, c'était tout pour ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que la dégustation de melon de pan que j'ai fait ce matin vous a plu aussi. Parce que vous, moi, c'est tout dans la même journée. Là, j'avoue, j'ai mangé. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et évidemment à vous abonner. Surtout à vous abonner, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Comme d'habitude, normalement, tout se passe bien. Tous les dimanches, une nouvelle vidéo. Quelque chose qu'on me demande aussi de plus en plus, c'est les story time. Je réfléchis petit à petit à en faire. Il m'est arrivé plein d'histoires un peu loufoques, un peu drôles au Japon. Et je pense qu'il serait drôle de vous partager tout ça. Prenez soin de vous et de vos proches, évidemment. J'ai vu que la situation allait de mieux en mieux en France, même au Canada et en Belgique notamment aussi. Donc, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Ici, la situation s'améliore aussi petit à petit au Japon. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.